Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite des aventures sur XCOM Enemy Within. On avait bien avancé, on avait fait pas mal de choses la dernière fois. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste encore les opérations, une opération secrète à faire. 2 jours. Et c'est parce que j'ai envoyé mon agent dans une station d'Exalt. Donc je pense que ça va être cette mission-là. Ensuite, on aura un satellite qu'on pourra envoyer. Encore un. Toujours plus. L'atelier de maintenance pour réparer un peu notre équipement. Xénogénétique. Encore 6 jours et 9 jours pour le rapport. Je sais pas si dans cet épisode on arrivera jusqu'au rapport. Ça dépendra de l'opération secrète. Allez. On va y aller. Deux scientifiques de plus. Toujours plus vite. Toujours plus de scientifiques. On prend du service. Des ingénieurs en plus. Mais ça me bouffe absolument tout mon alliage alien. Je suis un peu moins chaud pour le coup. S'il m'avait demandé autre chose, un truc que j'ai en de fois, ok, mais ça, j'en ai pas assez. Envoyer les agents prêts pour l'extraction. Ignorer la mission et il mourra. Ah non, je vais le sauver, lui. Envoyer l'escouade d'extraction. Récupérer les données. Opération Volcan aveugle. L'agent infiltré a fini d'installer l'encodeur et le transmetteur, mais Exalt est en approche. Sécuriser les données en éliminant toutes les forces d'Axalt dans la zone. Nous comptons sur vous pour régler ce problème en toute discrétion. Mais oui, je suis un peu dans la merde parce que je n'ai pas beaucoup non plus de personnel. Ça peut puer un petit peu, ça en fait. On va mettre 3 petits noobs du coup. Ok. Ah, mon petit robot, pire. Allez, mon petit robot. Du coup, faut que je les rééquipe un peu tous. J'ai céramique. Fusil d'assaut lourd. Bon, de toute façon, c'est fusil à pompe. Commando, ok. Infirmier, ok. Toi, tu ne vas pas avoir de grenade de ce genre-là, tu vas avoir une armure en céramique. Et mon petit Thunder. J'espère que ça va passer cette mission parce que je n'ai ni de sniper. Ni de personnages que j'ai vraiment beaucoup augmenté au cours de l'aventure. Alors, c'est urbain, structure importante, un bâtiment unique de grande taille qui va nécessiter un assaut. Bah, j'ai 2 commandos. Je suppose que ça devrait passer. On y est. Une nouvelle cellule d'Exalt agit depuis le Nigeria. Strike One devra empêcher toute activité hostile le temps de récupérer les données. Ok, alors briefing. L'agent infiltré a fini d'installer l'encodeur. Oui, on a déjà lu ça, mais tant pis. Et le transmetteur. Mais Exalt est en approche. Sécuriser les données en éliminant toutes les forces d'Exalt dans la zone. Objectif.
empêcher Exalt de pirater notre encodeur et de découvrir la position du transmetteur. Ok. Si vous échouez à empêcher le piratage, protégez le transmetteur jusqu'à l'élimination des forces Exalt. Neutralisez tous les ennemis. Ah donc. Il faut empêcher que Exalt pirate l'encodeur. Si jamais il pirate l'encodeur, il faut éliminer tout le monde en protégeant le transmetteur. Ouais, donc dans l'... Ok, bah c'est parti. YOLO! Notre agent était prêt à transmettre les données obtenues quand les forces d'Exalt ont débarqué dans sa ZO. Pour le moment, l'encodeur protège la position de notre transmetteur. Mais si Exalt parvient à pirater l'encodeur, ils pourront trouver le transmetteur. Et s'ils piratent les deux, tout espoir de récupérer les données intactes sera perdu. Nouvel objectif reçu. Ça, je suppose que c'est un encodeur. Et que ça, c'est le transmetteur qu'il faut que je protège à tout prix. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas non plus. Dans le doute, je vais sauvegarder vite fait, comme ça je vais savoir un peu qu'est-ce que c'est. Quand il y a un truc que je connais pas, je préfère sauvegarder là pour le coup. Je me remue. Ok, je sais pas du tout ce que c'est. Et ça m'énerve de pas savoir. Je suis parti. En plus, il a l'air d'en avoir que un, non? À moins qu'il y en ait plus. En tout cas, je pense qu'il faut que j'aille là. En fait, je sais pas. C'est quoi ça? Je peux rien y faire. Toi, tu vas te mettre à l'intérieur et tu vas rester avec l'agent. Je vais vers la position. Je magne. Je bouge. Je vais envoyer les deux bleus et le commando pour voir ce que c'est que ça. Passer par l'extérieur pour voir. Ah, il y en a un autre là en fait. Ok, donc il y en a plusieurs. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il faut en faire de ces machins? Est-ce qu'il faut les détruire ou pas? Toi, tu vas aller à l'intérieur avec les autres. Et le petit robot, bah, il va foncer. Vroom vroom. Et toi, tu vas passer en vigilance. T'as qu'un pistolet. Waouh. Oh, c'est ouvert là. Oh, ils sont en train de pirater. C'était quoi ce bruit? Commandant, les forces d'Exalt sont prêtes à pirater l'encodeur. Si nous n'intervenons pas, Exalt va trouver le transmetteur. Ok. Je peux rien en faire de ce machin. Encore trop loin. Tout de suite. Toi, tu as foncé. J'ai quelque Nous chose avons ici. Enfin une confirmation visuelle des agents d'Exalt sur le terrain. Et allez voir, Exalt intègre très vite le matériel génétique alien à ses troupes. En attendant de connaître l'étendue de leurs capacités, je conseille la plus grande prudence. Apparemment, Exalt a placé plusieurs relais de communication dans cette zone.
Si notre agent peut s'approcher suffisamment et accéder au relais à l'aide des clés de cryptage obtenues dans les données d'Exalt, il pourrait désactiver temporairement le réseau de l'ennemi. Ah, c'est l'agent qui doit y aller. Oh là là. Oh là là. Je rejoins la position. Dommage. Le tir n'a pas fait mouche. Allez, on bouge. Ok. 5/5. Oh, je bouge pas beaucoup avec elle. Bien, chef. Elle a pas beaucoup de mouvement. À moins que j'ai déjà bougé. Ok, il est obligé de bouger. Commandant, plusieurs ennemis se dirigent vers Strike One. Les renforts ennemis se rapprochent. Alors, est-ce que c'est une porte ? Ouais, c'est une porte fermée pour l'instant. Ennemi repéré. C'est dégueulasse qu'ils aient la possibilité de se planquer quand moi je les vois. Donc ouais, elle, elle peut rien y faire. Ok. Si du coup ils étaient vraiment à découvert, je les vois, ils se mettent à couvert direct. Moi, quand c'est les ennemis qui me voient, moi je peux pas bouger. C'est dégueulasse. C'est pas normal. On va s'avancer ici. Tuer le sniper. Ah, aucune cible, vraiment. Je suis dégoûté. 69%, allez. Comment je rate ça, moi ? Non, j'y crois pas. Tout de suite. Ok. J'y cours. Ça m'énerve. Il y en a encore un qui est en vigilance là-bas. Bien, commandant. Est-ce que je peux tirer d'ici? Ouais. Dans le dos ou alors... Non, je le termine celui-là. Mais comment je peux le rater ? Je règle mon viseur. En allant là, c'est risqué. Je bouge. Évidemment. Ça va. Par contre, faut que je termine hein, celui qui est là-bas. Allez, 80%.
Mais comment ? Mais... Vache, j'ai raté mon coup. Mais comment je peux rater autant mes tirs ? C'est pas normal. J'ai un énorme pourcentage quand même. Je crois que j'ai eu 2 fois 80, une fois 60. Exalt en a presque fini avec l'encodeur. Si on ne les arrête pas tout de suite, ils vont localiser le transmetteur. Il faut faire vite. C'est simple, mais... Je touche pas. C'est bon, j'ai rien. On me tire dessus. C'est tout ce que tu sais faire ? C'est tout ce que tu sais faire ? Bon, ça me conforte un peu sur le fait qu'il me loupe, mais c'est pas cool quand même. Je me fais tirer dessus ! Oh non. Aïe aïe aïe. En plus, il y en a un qui est en vigilance là-bas. Oh. Faut que je fasse ça sur lui. Ouvrez le feu. Et encore, en plus, mon personnage est à découvert. Mais comment ? Comment je rate tout le temps, bordel ? C'est pas normal. Les communications ennemies sont HS. Exalt a de quoi s'occuper un moment. Ah. Si je m'avance là, je pourrais me faire tirer d'ici. J'ai pas le mode assaut de disponible. Par contre, lui, là. Mais c'est super risqué. Ah. J'ai besoin de munitions. Si je me mets dedans, est-ce que ça passe pour les empêcher de pirater? Je sais pas. Au moins ça fera un peu de char à canon. Ok, interrompu. C'est qu'un sniper. Si je me mets là, il y a peut-être des chances que je puisse en tuer un. Je vais vers la position. Allez. Je m'en suis occupé. Berm.
Évidemment que j'ai que un de précision. Parce que je suis trop loin. Elle a combien de points de vie? Pas beaucoup non plus. Pirtus. Attends, c'est pas un sprint ici? Je fonce. C'est pas marqué sprint. Ok, c'était bien un sprint en fait. J'y vais. Toi, tu vas t'approcher ici. Ok. Je suis en route. Il y a un piratage en cours, mais Exalt a piraté l'encodeur et connaît donc les coordonnées du transmetteur. Strike One doit protéger ce matériel ou c'en est fini de cette opération. Nous avons un nouvel objectif. Ok, ok. Personne ne tape mon robot. Oula. Bam. Les aliens m'attaquent de flanc. Ah, ils foncent vraiment sur moi en plus. Commandant, de nouvelles forces d'Exalt se déplacent dans la zone. D'où tu viens, toi? Oh, bon sang. Oh non. Tellement de snipers en plus. Rejoins la position. Oui, je le finis. J'ai plus rien à tirer. Ah, elle a plus de munitions. Non, je vais pas tirer avec eux. Tu vas tirer sur lui. Moins 3. Négatif. Mon arme est vide. C'est pas énorme. Je pourrais balancer une grenade. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me planquer un peu mieux. Voilà. Bien, commandant. Bam. Je confirme. Mon arme est vide. Bien, commandant. Je vais te mettre ici. Tu recharges. Il me reste lui. Je peux te faire venir ici. Je bouge. Je te termine. Je peux rusher pour me faire celui-là. En position de tir. Bim. Ouais. Ensuite, l'AML. Je vais venir ici.
et terminer celui-là. Oh, c'est une fumée. Oh, oh, oh. Ouh, ça fait mal, ça. Ça fait pas plaisir. Ils déplacent leur attaque. Commandant, les forces d'Exalt sont prêtes à pirater le transmetteur. Il faut les arrêter ou nos données seront perdues. Ouf. Ah, il a bougé, il tirait. Ah ouais. Ils me prennent à revers. Je bouge. Ah, en plus j'ai pas de munitions. Ok, je suis dedans. Mais il faut que j'en charge. C'est bon. Faut que je recharge avec beaucoup de monde. Ah non. C'est bon. %60, %71%. Je préfère tenter celui là-bas. Il est mort, je confirme. Mais c'est pas forcément celui qui était sur la zone. D'accord. Alors, soit je grenade. Soit j'emmène elle ici. Affirmatif. Comme ça, elle aura de flanc. Hop là. Cible éliminée. Transmetteur sécurisé. Si je tente de tirer, c'est pas ouf. Vroom vroom. Oh, il me reste une balle dans chacun. Je me mets là, l'autre il se met là. Boum boum. Il y en a encore un dehors. D'accord. En espérant que celui qui est dehors ne vienne pas à l'intérieur. Ou que je le rate pas. C'est bon. Mon arme est vide, je peux plus tirer. Je suis de retour. Je peux vous jouer un mauvais tour. J'y vais tout de suite. Je crois qu'il en reste encore un dehors là, et c'est tout. C'était quoi? Ouais, il est là. Il a bougé une fois. Il bouge deux fois. Apparemment, ce sont les derniers renforts ennemis, commandant. Il faut seulement tenir encore un peu plus longtemps. Ok, donc il faut que je m'occupe de ces trois là. Non, quatre là. Ou lui, il peut faire peur. Je pense pouvoir m'occuper de celui-là. On se rapproche encore plus pour être sûr de le dégommer. Ça rate. D'accord. On va se rapprocher. Il
Faut que je m'occupe de lui. Ensuite, eux, ils peuvent s'occuper peut-être de celui qui est derrière là-bas. Lui, c'est pas grave s'il rentre sur le tas. Lui non plus. Je suis parti. Ok, lui s'en est occupé. Il est mort, je confirme. Ça roule. En mettant un chevet protégé des autres. Ok. Il va falloir que je recharge. Je suis en route. Bah du coup vous allez venir un peu plus proche. Recharger. Toi tu vas venir te mettre ici. Tu vas te mettre en vigilance. Toi tu recharges. Vigilance. Toi tu vas venir ici et te mettre en vigilance pour changer. Ok. Oula. Ils veulent nous prendre de flanc. Aliens en mouvement, ils attaquent de flanc. Je me fais tirer dessus. Oh non, dommage. La cible n'a rien. J'ai rien. Oh. Ennemi pacifié. J'ai plus rien. Ok, et normalement... Toi, est-ce que t'as encore des balles ? Je bouge. Si je peux te faire level up. Dommage. Dégâts négatifs. Je rejoins la position. C'est fini, commandant. Le transmetteur ne risque plus rien et les forces d'Exalt ont été éliminées de la zone. Excellent travail. Ouh. Eh ben. C'était spécial comme mission, ça diffère un peu des aliens. 17 ennemis d'Exalt tués, 0 agent XCOM perdu. Et encore 0 agent XCOM, il y en a qui sont à 1 point de vie ou 2, il y en a qui se sont pris des roquettes à moins 7 dans la gueule. Oh. En tout cas, bah, bien joué. Du coup, est-ce que ça réduit complètement la panique au Nigeria ? Ah, des blessés. Ouais, y a beaucoup de blessés, du coup. Mon Thunder, je l'ai mis au milieu de tout le monde. Personne l'a attaqué. Genre, tout le monde s'en foutait. Alors qu'il a fait quand même 4 éliminations. Allez, les infirmiers en plus. Toujours plus d'infirmiers. Commando, je suis d'accord. Tu vas faire tir de couverture. Alors, rapport d'infiltration, récompense en crédit 150. Niveau de panique réduit à 1 pour le Nigeria. Parfait. Donc ouais, en gros, les cellules d'Exalt, ça augmente au max, quasiment au max, le niveau de panique. Mais si j'arrive à détruire la base, enfin, si j'arrive à détruire... Enfin, si j'arrive à réussir l'opération d'infiltration, ça réduit le niveau de panique. Mais j'ai pas encore l'emplacement de la base.
Là, je sais que la base n'est pas en Inde. Ok. Ben Wright. Bien joué. Alors, le décryptage des données récupérées a révélé de nouvelles informations sur l'emplacement de la base d'Exalt. La base d'Exalt n'est pas en Inde. Bon, ok. Quête de mêlée, renseignement d'Exalt. Les informations obtenues nous ont suffi pour éliminer la cellule d'Exalt. Hélas, il ne s'agissait apparemment que d'une petite partie de leur opération clandestine à grande échelle. Mais nous avons réussi à trouver des indices sur l'emplacement du QG d'Exalt. Si nous parvenons à trouver d'autres cellules et d'autres informations, nous pourrons réduire les possibilités et éliminer Exalt une fois pour toutes. Comme ça, ils arrêteront de m'embêter, eux. Du coup, Nigeria... Ah oui, non, réduit de 1, pas réduit à A1. Ok. Bon, c'est quand même toujours un peu la panique au Nigeria. Ça, c'est les alliages, je peux pas. Marché gris... C'est vrai que j'ai beaucoup de cadavres. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces cadavres? Je pourrais peut-être les vendre. Si vraiment j'en ai vraiment besoin. Je le ferai. Bon, la panique, ça commence à augmenter un peu de partout, là. Un peu embêtant. Je vous remercie des efforts que vous faites pour soutenir l'unité de recherche, commandant. Les nouvelles recrues sont déjà au travail. Du coup... Oui, c'est vrai, opération secrète terminée. Du coup, au prochain truc, c'est le satellite. Contact détecté. Oh, un grand... Non, je peux pas un grand. Un grand vaisseau, je peux pas. Ça aurait été un petit, je me serais dit, parfait, je vais pouvoir capturer le xénon. Là, c'est mort. Je le fais pas. C'est impossible. Contact détecté. Oh, c'est tentant. Est-ce que j'ai du monde pour la mission? Ah, j'ai personne. Oh, mais j'ai... Waouh, j'ai quasiment que des blessés. 31 jours. Wow. Bon. Bah, j'ai pas trop le choix. Ah, mon Thunder, il est encore en service. Ok, bonne nouvelle. On va prendre tout le monde, en fait. Et un petit Thunder, histoire de faire un peu le ménage quand il y en a besoin. Tout le monde en armure, tac. Fusil d'assaut, évidemment. Gilet céramique. T'es à 4 plus 3 points de vie. Tiens, prends un électroflux. Toi, tu vas prendre le medikit. Même si en vrai, je pense pas que ça serve à grand chose le medikit là. Peut-être plus des grenades frag. Moi, je vais quand même prendre quelques medikits. Alors, toi, 5 plus 3. T'as assez de points de vie pour aller au corps à corps et capturer le xénon. Ça se tente. Fusil d'assaut. Avec un medikit. Fusil d'assaut.
Et qu'est-ce que je vais prendre en plus? Une frag. Et du coup ensuite j'aurai mon Thunder. Ça me fait une équipe toute jeune ça par contre. Il n'y en a aucun qui a une classe, mais c'est fou que tout le monde chez moi est blessé ou fatigué. Faudrait peut-être que je recrute encore plus de monde. Si je recrute encore plus de monde, je pourrais avoir encore plus de personnages. Après, j'ai peur que ça coûte encore super cher. J'ai encore beaucoup de choses à construire. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à construire. En ingénierie, j'ai encore des satellites à construire à chaque fois. J'ai des armures à construire, des scopes. Peut-être si je peux créer des AML blindés. Dans les installations, mais il me reste encore pas mal de trucs à construire. Zone géothermique. Je pourrais le créer. Ah non, j'ai pas assez. Si je le fais, c'est plus 25 d'énergie. Et plus 3 avec les trucs adjacents. Ce qui me fait genre plus 31. Si je le mets ici. Et ensuite, je mets un autre générateur. Ce qui me ferait du coup... plus 34 pour le thermogénérateur. Je serais bien tranquille pour la suite. Hein. Même si là j'en mets en plus 1 ici. Fera 25. 25 plus 34. Plus un 9 je crois. Je sais plus. Peut-être plus. Qu'est-ce que j'ai à créer? Il faudrait que je crée laboratoire... atelier. Ah non, atelier sur cette ligne-là. Laboratoire en dessous. Et un peu le reste. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais créer. Une fonderie. Parce que là, j'aurais pas mal de terminal de liaison. Je pense que j'en aurais assez pour quasiment tout le monde. Sinon j'en mettrais un peu n'importe où. Là au pire. Commandant, on manque de soldats pour remplacer les pertes qu'on a subies. Ce serait le moment d'en recruter davantage à partir de la caserne. C'est bien ce que je me demandais en fait. En fait, est-ce que je prends 4 soldats pour 100 ? C'est bien ce que j'ai l'impression, donc ça coûte hyper cher. Je peux en acheter que 10. Ça fait peur. Parce que là, ouais, ils sont tous blessés. Après, je pense que je vais recruter des noobs, en fait. J'ai pas recruté des mecs avec déjà une classe de fête. Oh, wow. Tout le monde qui est mort déjà. J'en ai perdu beaucoup trop. C'est vrai que j'ai des promotions à donner. Promotion de capitaine. Je sais pas où c'est qu'on peut voir les rangs. Celui-là, ça me demande.
Nombre total de rangs nécessaires, 97. Mais où c'est qu'on voit ça? Faut aussi que je m'achète des nouveaux Raven. J'en aurais besoin de beaucoup si je veux abattre les ovnis qui arrivent un peu de partout. Et c'est là où je me demande, est-ce que je recrute des gens et je vends des corps au marché gris? Ça serait une solution. Alors, non, je vais faire juste ça. Le rapport du conseil, c'est en 6 jours. C'est-à-dire que dans 6 jours, je me fais 850 de thunes. Alors, qu'est-ce qui me coûte hyper cher? Ouais, c'est mes installations qui me coûtent cher pour l'instant. Mais ça, c'est normal. C'est tout à fait normal que ça me coûte cher. Si je m'achète encore des intercepteurs, ça va continuer à me coûter cher. Mais ça sera très intéressant de le faire. Est-ce que... Voilà, je sais pas si je recrute des soldats. Si j'en recrute 6, ça sera pas trop dégueu, je pense. Ça me fera encore un peu plus de monde si vraiment, après cette mission-là, j'ai une autre mission qui se lance. Je crois que j'aurai quasiment personne de disponible. Je sais pas combien de temps ça prend par contre de recruter des soldats. Ça me fera passer dans les 100 crédits. Ok, donc ça doit arriver bientôt. De nouvelles recrues dans 9 jours. Ok. Donc 6 nouvelles recrues dans 9 jours. Donc, s'il y a une mission après cette mission-là, je suis toujours dans la merde. Parfait. Xénogénétique dans 3 jours. Bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. On fera la mission la prochaine fois avec les bleus. On essaiera de capturer le Xénon. Du coup, bah merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!